savais pas ? Ça existe des gens qui ne savent pas ce que c'est que mon kabbalah. C'est quoi les mon kabbalah ? Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition ? Moi, je pense que c'est une rencontre entre deux personnes qui ne se connaissent pas dans un cadre entre guillemets islamique. La réalité des Moukabbalah, c'est deux personnes qui se rencontrent pour se voir, se juger, se jauger, et à partir de là, décider si elles se marient ou non. Et détrompez-vous, c'est quelque chose qui est très fréquent aujourd'hui. J'ai beaucoup de patientes qui se sont... En tout cas, nos générations, enfin, les générations après moi, c'est comme ça qu'elles se marient, parce qu'elles veulent rester dans le cadre légal, sur le plan religieux. Ça vient d'où ? Dans l'islam, c'est comme ça. Mais le terme de Moukabbalah et de comment ça se passe, je ne peux pas vous dire. Il faudrait interroger les fuyurs. D'où vient le terme de Moukabbalah ? Moukabbalah, ça veut dire rencontre, en français. Si on se rencontre, on se regarde, on se pose des questions. Allez, une ou deux Moukabbalah et on se marie. Si de ce qu'on voit, tout va bien. Bah oui, parce que la société dans laquelle on vit, elle valorise l'amour fusionnel. Elle valorise les mariages. Je sais pas si vous voyez dans les dessins animés quand on est enfant. Qu'est-ce qu'on voit dans les dessins animés enfant ? On voit la princesse, elle a vu une fois le prince charmant, hop, au premier regard, et elle décide de se marier avec lui. Mais dans tous les dessins animés Disney, pour pas les citer, ils se connaissent pas, ils se parlent pas, ils se sont vus une fois et ils se marient. Qui a vu la Reine des Neiges ? Vous avez tous vu la Reine des Neiges ? La sœur, là, je sais plus comment elle s'appelle, Kalinat. Je sais plus. Elle le rencontre une fois, elle danse avec lui, elle veut se marier. Oui ou non ? Alors, on ne sait plus, il y a un brouillage au niveau des repères par rapport au mariage. On veut un amour passionnel, on pense que c'est ce qui est le mieux. On se rencontre, c'est pas la peine de trop se parler, hein. Ah, tu rentres dans mes critères ? Allez, on se marie. Est-ce que c'est bien ça ? Pourquoi ? Se connaît pas, parce que quand on fait ça, on se marie avec une image, avec un idéal, avec des préjugés qu'on a de l'autre. Ce n'est pas pour rien qu'un mariage sur deux se solde par un divorce. L'autre, il ne pourra jamais être celui que je voudrais qu'il soit. Il ne pourra jamais être comme je le veux. Le monde, la façon dont je vois les choses, c'est avec mes yeux à moi. Ma réalité, vous avez tous chacun, chacune d'entre vous ici aujourd'hui, vous avez chacun votre vision de la réalité par rapport à votre histoire, par rapport à l'éducation que vous avez eue, par rapport à vos traumas, par rapport à vos expériences. Vous avez chacun et chacune d'entre vous votre vision de la vie. Si vous croyez que celui qui est en face, il est ce que vous êtes, vous vous trompez. Le problème, moi, ce qui me gêne, c'est un peu comme dans l'art, dans les tableaux. Vous voyez quand vous allez voir des tableaux en art abstrait, qui sont un peu abstraits. C'est pas figural, c'est-à-dire que chacun va y voir ce qu'il veut. Ben, c'est ce qui se passe dans les Moukabbalah. Quand vous allez vers un inconnu, il rentre à peu près dans vos critères, en réalité, dans 80% de la rencontre, vous mettez en lui ce que vous croyez être de lui. C'est une erreur, parce que vous allez vous confronter à de la frustration. Quand on est dans le principe de réalité, on est forcément déçu. En gros, le mariage aujourd'hui, c'est devenu un coup de poker.